Alors, nous allons nous poser une petite énigme avec cette feuille de papier classique qui va donc faire 21 cm d'ici à là et 29,7 dans l'autre sens. Pour cela, on va d'abord choisir un point n'importe où sur le côté qui mesure 21. Prenons-le par exemple ici, mais on pourrait le prendre n'importe où sur cette feuille. On va donc replier une extrémité ici, un sommet du rectangle, pour le positionner sur ce point. Et on va marquer la pliure. Quand cela est fait, on redéplie et on va partir de l'autre sommet ici, que l'on va venir reposer, là encore, sur ce point, en prenant bien soin, une fois de plus, de marquer la pliure. À l'intersection des deux pliures, on a un point ici. Il s'agit de montrer que quelle que soit la position du point qu'on aura choisi ici, ce point-là se trouve exactement au milieu du segment qu'on pourrait avoir ici, c'est-à-dire à 10,5 cm de ce bord et à 10,5 cm de ce bord ici. À vous de jouer!